Brabant wallon, terre de plénitude, berceau de Godefroy et de Sainte Gertrude, de Jean le Teinturier, boileau du Contrepoint, et de l'abbé Courtois, humble chantre des foins. Sur ton sol exigu, la Wallonie entière s'est donné rendez-vous. Le Condreau à Rosières. Le Hainaut à Clabecq. L'Ardenne à Virginal. La SB à Chaudogne. La Gaume à Genval. L'histoire a déferlé par tes plaines rougies et tes bourgs saccagés. Waterloo, Ramilly, tombeau d'un songe immense et d'un immense orgueil dont le monde aujourd'hui porte encore le deuil. J'aime au bord d'un étang tes ruines séculaires. Genappe, où Louis XI aima le téméraire. Et Braine, où séjourna Brennus le centurion. Et Villers, où pria le pieux Robert Henrion. J'aime tes vieux clochers dans ton ciel d'allégresse. Nivelles et son cloître où rêva ma jeunesse. Wavre et sa Notre-Dame aux bras chargés d'amour. Et Torrambet-Saint-Tron avec sa grosse tour. J'aime les noms chantants de tes eaux puériles, la Sam, le Cala, le Pislet, la Dille. J'aime la beauté sobre et le charme engageant de tes sites à la mesure de tes gens. Qu'il est partout des collines pareilles, d'aussi beaux champs de blé, de plus rares merveilles. Que l'homme d'ici n'est ni pire, ni meilleur, ni plus grand, ni plus vrai que les hommes d'ailleurs. Je sais. Mais nulle part, de mon cœur à l'argile, ni du ciel à mon cœur, des chaînes plus subtiles n'ont plus solidement attaché leurs maillons que l'amour qui me lie à toi, Brabant wallon. Un petit village du Brabant wallon, comme tant d'autres, et qui, comme ceux-là,
vie du dur travail de la terre. Les cultivateurs aux champs, les femmes à leurs occupations ménagères, le village semble vivre au ralenti. C'est un de ces villages où les familles se perpétuent. Une maison simple et modeste, c'est celle du mailleur. Dans son bureau, le symbole de sa vocation est voisin de celui d'une autre, médecin. Sa famille aurait désiré qu'il le devînt, comme son oncle. Aujourd'hui, cet espoir renaît en son fils. Près de ses auteurs préférés, dans ce modeste bureau, c'est là qu'il reçoit tous ceux qui ne frappent jamais en vain à la porte du bourgmestre, du député, de l'ami. C'est là aussi qu'en de touchants poèmes, il exalte avec lyrisme son amour de la terre brabançonne. L'histoire locale lui inspire maintes œuvres. Maintes œuvres dont il compose l'accompagnement musical. Qui ne se souvient de Soctia, créé à la salle Ovard par la troupe Union et Liberté? Union et Liberté, deux idées pour lesquelles il combat sans cesse. Quelques images rétrospectives d'une fête organisée à Jodogne nous le montrent. Lui, le militant consacré tout entier à la cause des humbles. Lui, le parlementaire des travailleurs de la terre. Lui, le magistrat dont la droiture et la probité sont légendaires. Lui, l'homme qui jamais ne sollicite rien pour lui-même. Tous ceux qui se plaignent, les ouvriers, les commerçants, les agriculteurs, et qui se plaignent avec raison, n'oublient qu'une chose, c'est que nous sommes en régime capitaliste. Pour donner à l'ouvrier un meilleur salaire, pour permettre aux classes moyennes de vivre sans que l'inquiétude du lendemain pèse sur leurs entreprises, il faudrait rogner les bénéfices capitalistes, socialiser la grande propriété privée, mettre de l'ordre dans le secteur anarchique de la distribution, substituer à la société capitaliste, fondée sur le profit personnel, une société socialiste basée sur l'intérêt général. Malgré sa santé compromise, il refuse d'abandonner ses compagnons d'armes. Ses sentiments généreux et fraternels, il les exprime avec force dans les poèmes qu'il écrit en captivité. Il était au courant de son état. Il n'ignorait pas qu'il était condamné. Maintenant que je sais qu'il n'est point de remède à l'implacable mal qui torture mon corps, je m'habitue à voir moins cruelle et moins laide la sombre visiteuse aux doigts glacés, la mort. Et son dernier mot a été son adieu à chacun de ceux qu'il a aimés et à tous ceux qui l'ont suivi. Rater ave. Et cependant, malgré l'horrible menace, Gaston Bacchus puise dans la sincérité de ses convictions la force de poursuivre sa mission jusqu'au bout. Un pacte moral le lie à ses administrés, à ses électeurs, à ses auditeurs de la radio, à ses compagnons de lutte. Il honore sa signature jusqu'à l'aube du jour où... Huppé
pleure son fils respectueux des coutumes et du dialecte. L'enfant de la campagne fier de ses origines, le bourgmestre et le député qui avait su rester si simplement l'ami. Nombreux sont ceux qui viennent lui rendre un dernier hommage dans la salle où, naguère, ils applaudissaient ses revues locales. À divers titres, venus de tous les coins du Brabant wallon et du pays tout entier, nombreux sont ceux qui s'inclinent devant la dépouille mortelle de l'écrivain, du compagnon de captivité, du camarade. Que la perte d'un ami véritable est une bien triste chose. Que de gerbes témoignent de la place qu'il avait prise dans les cœurs. Barry apporte l'adieu de la Fédération Nivelloise. Tu peux dormir en paix. Ta mission est accomplie, déclare Max Buzet. Ceux des stalags ont délégué Eugène de Doyard. Gaston Bacchus passe une dernière fois parmi les coins où il allait rêver, cependant qu'invisibles et silencieux, les poèmes de Tenace Argile lui font une haie d'honneur. Sérénité, orage, fin de moisson, soir d'été, feu de fan, humilité, veillée. Derniers hommages, derniers discours, dernières paroles au nom de groupements locaux, des anciens combattants, de l'administration communale, puis l'ultime adieu de la relève aux citoyens. Pétor, quand j'aurai fait un tour saltaire, à Oupaï, j'ai vous qu'on m'y éterre. Pour Adon, ça me tombe, j'ai votre mante, qu'on John Fay, ma poète comme offrante, on bia petit bouquet de fleurs d'Oupaï. Derrière cette grille repose le lutteur, prisonnier de la tenace argile. Mais sa pensée, mais sa voix sont libres. Je revois la chaumière où je reçus le jour et ma fragilité. L'école où je connus que l'homme vaut qu'on l'aime. Et la place publique où la foule à ma voix vibrait comme un clavier et d'un élan suprême renaissait à l'orgueil, à l'espoir, à la foi. Je revois mes amis, mes compagnons de lutte, apôtres de bonté, de justice et d'amour. Je ne les suivrai plus au seuil des mornes huttes, où le pauvre attend d'eux son pain de chaque jour, l'espoir de temps meilleurs et d'une ère nouvelle, où l'on verra briller sur le rouge berceau des saintes libertés désormais immortelles, les larges soleils d'or des miracles sociaux. Frères humains,
Je voulais consacrer ma courte vie. Hélas, je lègue à de plus forts le soin de conquérir les cimes repérées par mon humble labeur et mon obscur effort. Moi, je meurs, mais je vois dans les lointains d'un rêve les hommes abjurant leurs errements voulus s'embrasser et marcher vers l'aube qui se lève. Et le glas de mes jours est un clair angélus.